Assalamu alaikum wa rahmatullah. On continue toujours. On a les trois voyelles toujours. En haut à droite, on a un noun qui a un fatha, donc c'est na. Au milieu, un noun qui a un kasra, donc c'est ni. Et enfin, un noun qui a un damo, c'est nous. L'autre ligne, on a un waw qui a un fatha, donc c'est wa. Un waw qui a un kasra, donc c'est oui. Un waw qui a un damo, donc c'est wu. Donc wa, oui, wu. Et l'autre ligne, on a un h. H. Comme Allah. H. Un h qui a un fatha, donc c'est h. Un h qui a un kasra, donc c'est hi. Un h qui a un damo, donc c'est hu. Et enfin, l'autre ligne, on a un ya. Oui, parfois, le ya, il peut avoir deux points en bas. Mais il peut un peu l'écrire aussi sous cette forme-là. Donc, c'est un ya qui a un fatha, donc c'est ya. Au milieu, c'est un ya qui a un kasra, donc c'est yi. Et enfin, un ya qui a un damma, donc c'est you. Wallahu ta'ala. Donc, c'est ya, yi, you. Wallahu ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. والحمد لله رب العالمين.